confirmé. Eh bien, salut tout le monde, c'est Loki, comment est-ce que vous allez? Moi, ça va super bien, écoutez, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo commentée. Donc c'est mon premier gameplay sur ce Modern Warfare 3. Je vais pas déballer toutes mes impressions dès le début, tout simplement parce que je pense qu'il y a déjà énormément de personnes qui l'ont fait. Et voilà, je vais juste vous dire que je l'aime bien. J'aime bien les systèmes de killstreak, etc. Que je vais y revenir dans cette vidéo. Vous avez sûrement vu l'intro code QG, tout simplement parce que je vais leur envoyer. Une brève présentation du gameplay. Alors je joue sur la map Fallen, en élimination confirmée. Donc pour ceux qui ne savent pas ce qu'est l'élimination confirmée, c'est très simple. C'est une sorte de match à mort par équipe, où à chaque fois que vous faites un kill, il y a une plaque en or qui arrive sur l'ennemi que vous avez tué. Et quand vous récupérez cette plaque, en fait, vous gagnez des points, et en même temps, ça rapporte des points à l'équipe. Et quand vous ramassez les plaques rouges, en fait, ça correspond au kill que les ennemis ont fait. Donc, en prenant cette plaque rouge, vous leur empêchez de marquer des points. Donc, c'est un mode que j'aime énormément, et c'est pour moi la meilleure façon de commencer dans ce Modern Warfare 3. Donc pour moi, vous prenez élimination confirmée et vous jouez avec le killstreak spécialiste. Là, moi, je joue avec le killstreak assaut. Donc c'est-à-dire que même quand... avec le killstreak soutien, pardon. Donc c'est-à-dire que même quand vous mourrez, en fait, votre série continue. Donc ça, je trouve ça super bien, parce que ça te permet de donner une certaine fluidité à votre partie. Et vous n'êtes pas en train de vous dire, ouais, il faut que je fasse des kills à enchaîner, donc je vais camper pour faire mon dernier kill, comme ça j'aurai ça, ça, ça. Non, là vous pouvez jouer librement, et vous avez juste un objectif total de kill à faire pour débloquer quelque chose. Je trouve ça vraiment très bien. Sinon, vous avez assaut, vous devez vraiment enchaîner les kills, là. Donc ça, c'est comme sur Modern Warfare 2. Et spécialiste, où là vous débloquez les atouts, et au bout de 7 ou 8, et bah vous avez tous les atouts. Donc il y a moyen de se faire plaisir au niveau des killstreaks dans ce Call of. Donc là vous voyez que j'ai débloqué mon bombardier furtif. Et vous avez vu que je joue à la CR silencieux, qui est selon moi une très bonne arme dans Modern Warfare 3. Je la kiffais déjà pas mal dans Modern Warfare 2, mais là je l'aime aussi. Et je trouve que l'arme est parfaitement adaptée à la map. Pourquoi? Alors tout simplement, il faut savoir que dans la map Fallen, vous avez deux points stratégiques. La maison où je suis actuellement, et là où je viens juste de viser. Donc c'est des endroits où vous pouvez vraiment défendre deux côtés différents. Je vous déconseille de passer au milieu de la map, parce que là vous allez vous faire suivre, ou vous allez vous faire tuer directement. Donc franchement, évitez. Donc voilà, c'est pour ça que je trouve que l'ACR est parfaitement adapté à cette map. Je voulais vous dire aussi que pour ceux qui ne le savent pas, il y a une team code QG qui vient d'ouvrir avec Hypnotic, Monsieur H34 des Touch, Souris Muet, John, etc. Je suis devenu leur graphiste, donc je remercie Hypno de m'avoir contacté, etc. Ça me fait super plaisir, et c'est pour ça que je voulais vous prévenir que je peux pas faire de background, de logo, etc. à tout le monde. Tout simplement parce que c'est complètement impossible. J'ai déjà reçu une trentaine de demandes, et comprenez que je peux pas faire à tout le monde. Déjà que moi j'ai du mal à assurer, parce que je fais du sport, j'ai les cours, plus tout ça... Donc je suis vraiment désolé, mais en tout cas je les remercie, et je remercie Code QG si j'upload cette vidéo. Donc c'est pas parce que je suis graphiste de la team que cette vidéo passera mieux sur Code QG. Donc je n'ai pas d'avantage, ça c'est vraiment important. Donc voilà, on va parler un petit peu du gameplay. Alors vous voyez que j'enchaîne pas mal les kills, et là c'est le deuxième endroit stratégique dont je vous ai parlé. C'est vraiment cet endroit où vous pouvez défendre vos deux zones. Donc voilà, je remercie également mes 250 abonnés. J'étais à 100 abonnés mi-novembre, il me semble. Là, ça a vraiment augmenté. J'espère que vous serez tous actifs.
et que mes vidéos vous plairont. Donc, je suis désolé si ces derniers temps j'en ai pas sorti, mais il faut savoir que mon PC il va vraiment pas tarder à me lâcher là, et c'est pour ça que je vais recevoir mon Mac. Et j'ai vraiment hâte là, je suis super pressé parce que ça va vraiment être une très bonne alternative pour moi pour faire mes vidéos. Surtout que là, j'ai plein de petits projets, donc j'espère que ça vous plaira. Donc voilà, excuse-moi d'avoir piqué ton kill. Excuse-moi, il a dit putain. Je suis désolé mec. Excusez-moi. Sinon oui, j'ai également fait le background de Push qui est passé sur Code QG il me semble, sur la Play Comedy Club, etc. Donc il m'a demandé, mais vraiment je peux pas faire ça à tout le monde. Hein, enfin, j'espère que vous comprenez. Hein. Et puis je ne fais pas d'intro, alors je suis vraiment une quéquette en intro, donc je vous en ferai pas. Même moi je galère à en faire une, etc. à en trouver, donc... Donc voilà, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Là le gameplay il avance pas mal, j'ai bientôt ma deuxième série. Je sais pas, j'ai pas vu à combien de kills j'étais, mais en tout cas c'est vraiment un mode que je kiffe bien parce que tout à l'heure je vous ai dit que c'était très bien pour commencer dans ce Call of de jouer en élimination confirmée avec spécialiste. Alors l'élimination confirmée, déjà comme c'est une sorte de match à mort, vous pouvez vous habituer aux maps. Et en même temps, vous avez la notion d'objectif, car le fait de devoir ramasser des médailles, ça vous donne un petit enjeu et en plus vous faites avancer votre équipe. Donc ça c'est vraiment un concept que j'aime bien. Voilà, deuxième bombe EM. Sinon, qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, j'ai l'édition Hardened, je crois que ça se dit comme ça. Donc je vais avoir les DLC, etc. Parce que franchement, ça, je préfère payer maintenant que de devoir payer à chaque DLC. Et ça, je trouve ça un peu idiot de la part des développeurs. Parce que vous voyez, le premier DLC qui va sortir, c'est en janvier. Et ce sera des maps, deux maps de Code 4 et deux maps de Modern Warfare 2. Donc ça, je pense qu'ils auraient pu le faire gratos pour ceux qui sont fidèles, etc., qui aimeraient retrouver les maps. Je trouvais ça bien de les faire gratuits parce qu'en plus ils en ont gagné assez d'argent avec ce Call of Duty Modern Warfare 3. Je le dis à la française, Call of Duty Modern Warfare 3, parce que j'ai entendu des Modern Warfare 3 sur YouTube, donc j'ai pas envie de m'afficher pour rien. Enfin voilà. Vous voyez bien que la partie elle progresse, elle avance bien. Je fais mes petits kills tranquilles, je suis assez mobile. Vous voyez bien l'efficacité de la CR malgré le silencieux. Et je vous ai également dit qu'elle était parfaitement adaptée à cette map, tout simplement parce que c'est une map où le petit fail, où vous allez vous retrouver dans des situations de tir à longue distance, mais également de tir à moyenne distance. Et la CR arrive vraiment à gérer ces deux cas de figure, elle est vraiment complète. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Je crois que j'utilise également tireur d'élite, oui, tireur d'élite pro. Donc ça va vous permettre de voir les ennemis de plus loin. C'est vraiment utile dans cette map parce que avec ces décors, vous avez du mal à les distinguer. Et ça vous donne un aperçu des joueurs rapidement, etc. Donc ça vous permet d'anticiper. Je joue également avec détermination pro et pillard pro, qui est selon moi indispensable avec la CR si vous voulez commencer à faire des séries, etc. Donc voilà, je vous proposerai d'autres gameplays sur Modern Warfare 3. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les envoyer. Et merci à Code QG si vous voyez ma vidéo sur leur chaîne. Franchement, je les remercie. Hein. Donc le gameplay se termine. Je fais 1.43.8 en élimination confirmée. C'est quand même un bon petit score. Et voilà, j'espère les gars que cette vidéo vous aura plu. À la prochaine, bye tout le monde.